Et le problème des musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils sont systématiquement, ou qu'ils sont en train de réagir à toutes les attaques médiatiques, politiques, ils se dispersent et ils oublient de faire l'essentiel, planter des graines de l'éducation. Si vous demandez à n'importe quelle institution aujourd'hui, quelle est votre vision de l'éducation, je vous assure, vous allez laisser bouche bée. Il n'y a aucune vision de l'éducation. Quelle est ta vision de l'éducation? Quelle est ta définition de l'éducation? C'est pas ouais, on va éduquer, on va faire un peu d'arabe, on va. C'est du bricolage ça. C'est quoi ta vision sur le long terme, les étapes que tu as mis, etc. Et ça on l'a pas, parce qu'on est occupé à vouloir répondre aux responsables politiques, à vouloir réagir aux actes racistes de l'autre. On se disperse, voilà. Et donc c'est une stratégie de diversion. Et puis, dont le ton et les termes étaient déjà posés, c'est ce que j'ai reproché à certains théologiens. J'ai dit, le problème, c'est qu'au lieu de poser objectivement des questions à la société, vous subissez les interrogations du système médiatico-politique. Vous les subissez. Et vous passez votre temps à réagir et à penser l'islam en fonction de ces interrogations que vous subissez. Donc ça crée un islam toujours, voilà, bancal, pauvre. Parce que c'est un islam qui a été pensé en fonction d'interrogations subies. Mais à quel moment vous posez objectivement les questions et que vous sortez du cadre qui a été défini? Sortez du cadre. C'est à nous de poser le ton et les termes du débat.